Salut tout le monde, c'est Max du S11. Aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Check et Fidget le jeu. En fait aujourd'hui, je sais pas si vous êtes sans doute pas au courant, mais nous avons le portail 48 de Guild. En réalité, pour parler précisément, l'acte 5, scène 8, qui est à 1% ou 0% actuellement. Je fais une petite vidéo pour le battre, j'espère que je vais le battre. En fait, la vidéo, ça va être une vidéo courte. Ça va vraiment être une vidéo dessus. Voilà, j'espère que je vais l'avoir. C'est parti. Pour Sam, ça peut être. C'est un peu vague parce qu'en fait, 1% égale 20 millions de PV. Ça peut être soit minimum 21 millions, soit 39, 40 millions au maximum. On va essayer quand même. C'est parti! Oh, c'est beau ça. Oh non, c'est dommage, ce gros critique de fin. Enfin, tant pis, dommage, dommage. Là, vraiment, ça fait râler. J'ai mis un gros critique à 33 millions en première attaque. Là, je me suis fait complètement éclater. Il reste évidemment 0%. En fait, c'est un arrondi, évidemment, il est pas KO. Mais bon, le jeu arrondi à 0. Ça fait râler parce que vous vous rendez compte, 33 millions en première attaque, ça veut dire que en deuxième attaque j'aurais pu potentiellement mettre le double, donc 66 millions, donc j'aurais pu mettre théoriquement jusqu'à 5 millions. Là j'ai vraiment fait un super départ, dommage que j'ai pas pu encaisser ce coup critique. Voilà, en fait c'est tout. Si ce matin j'ai fait un super combat que je voulais vous montrer. J'ai un combat contre le Canichelin, donc c'est la première fois que je descends aussi bas. Je voulais vous le montrer. Le Canichelin, en fait, c'est Eusteros 8 de l'ombre, je précise de l'ombre évidemment. La version lumière a été terminée pour ma part depuis un petit moment, quelques mois, je crois que c'était en 2017 même. Voilà. Le mage s'est fait décalquer, complètement, entièrement même d'ailleurs. Mais en fait, l'archer a bien marché, et moi aussi. Vous allez voir, à la fin, il ne reste vraiment que dalle, que dalle. Et ça m'a fait râler. Je vous le montre. Ensuite, je vais essayer quelques tâches de tournade pour voir si ça passe. Vous voyez, l'archer, il a frappé vraiment fort. Critique 41 millions en étant guerrier, spectaculaire. Ça, c'est le genre de truc qui me. Je trouve ça splendide, n'empêche. Ouais, petit bug parce que j'ai voulu supprimer le combat maintenant que j'ai vu. Parce qu'en fait, là, j'ai la poste de combat pleine, j'ai plus de réseau aussi. C'est reparti, désolé pour le problème des réseaux, j'ai mis un petit moment à refaire marcher le jeu. Je vous ai montré ce combat, là, je voulais vraiment vous le montrer. Parce que là je l'ai vraiment descendu très 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 bas. C'est vraiment c'est assez rare, d'ailleurs on va le regarder une dernière fois avant qu'on ne puisse plus le voir du tout. Le guerrier pas trop, le mage a servi à rien. L'archer a enlevé la moitié de la vie, et moi à peu près, je dirais, un quart. À peu près. Dommage que le mage a servi à rien. On peut essayer de refaire un combat, cette fois un combat en direct. Comme vous pouvez le voir, j'ai certainement dû avoir énormément, énormément de chance ce matin. Une probabilité infime. Grâce à, notamment à l'esquive des archers en fait. Toujours la même histoire, c'est souvent grâce aux archers qu'on gagne. Voilà, là je pense pas qu'il va passer, c'était vraiment un truc assez chanceux. On va ici la tournée 914, sur la dernière vidéo j'étais sur la 907. Je l'ai battu entre temps, voilà. Me voilà sur Clochette, tournée 914. Un gros guerrier si je me trompe pas, ouais, 95 348 de force. Et 313 millions de vie.
Et demi. Important le 2,5 aussi. Ça peut faire une différence parfois. Voilà, donc lui aussi, il n'a pas l'air de vouloir tomber. On va ici quelques essais supplémentaires. Non. Mais on voit que il tombera quand même avant le conditionnement quand même. Voilà. Bon. C'est pas passé. Donc, je suis vraiment déçu pour le portail de Guile. Je suis désolé, vraiment, j'aurais aimé vous montrer sur cette vidéo de voir mon personnage battre ce portail. Donc, vraiment, en plus là, j'ai fait un départ, mais vraiment, vraiment, je crois, sans vouloir exagérer, c'est mon meilleur départ que j'ai fait. Donc voilà, comme on peut voir, 30 millions, j'ai mis 30 millions. Sur une première attaque, je crois sur ce portail, c'est la première fois que je fais ça. Donc, deuxième critique, on peut au moins estimer le double. Donc, je pense que j'aurais pu potentiellement au moins mettre 95 millions sur ce portail. Donc, je suis vraiment très 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 dégoûté. Donc bon, c'est pas grave, quelqu'un d'autre dans la guilde le finira à ma place. Ou sinon demain, on le finira demain sinon. Mais bon, vu qu'il reste que 4 millions, ça devrait passer pour aujourd'hui. Donc Herbel, c'est parti. Donc, bon, lui, c'est pas pareil. En général, ça passe assez bien. Voilà, ça se fait. Un petit combat contre Cathy pour vous montrer si je gaze bien. Donc là aussi, c'est me baser sur la chance. Donc des fois, ça passe bien. Comme des fois, je peux même pas me placer une, des fois. Voilà, donc, là, en fait, ça fait partie d'un des super combats, donc, ça va relever un peu le niveau de la vidéo. Donc, entre le fait que je me fais éclater par tous mes donjons et le portail de guilde qui me met une grosse humiliation, moins 168 millions. Voilà, donc, un combat réussi contre Catibri, top 1 du serveur, donc je précise, hein, évidemment. Donc, évidemment, une fois de plus, ça bug. Donc c'est reparti, je suis vraiment désolé, aujourd'hui j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec le réseau, pourtant d'habitude j'ai pas de problème. Donc, voilà, désolé. Donc, je voulais vous remontrer ce combat en fait que je viens de faire il y a moins d'une minute. Voilà, donc, on voit de gros critiques de la part de nous deux, d'ailleurs un combat court d'ailleurs, c'est assez rare, guerrier contre archer en général c'est vraiment basé sur la parade et sur l'esquive. Donc c'est peut-être ce qui a fait ma réussite parce que j'ai pas fait traîner le combat super longtemps. Voilà, donc j'ai battu la moitié de ma vie. Et donc je suis top 3. Ah d'accord, je croyais être top 2. Bon, on va essayer de changer les choses. Top 2, j'aime bien être top 2, c'est ma place. Donc Elrohir, on va essayer de le remettre à sa place. Voilà. Ah non, un petit dernier. Voilà, donc, je suis top 2 du serveur. Elrohir, il est top 3, ça lui suffira. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc, désolé pour le portail de guild, j'aurais vraiment aimé le battre. Voilà, donc, bon, c'est pas fait. Bon, c'est pas super grave. Mais, voilà. Donc, merci d'avoir regardé et bon jeu à vous et à plus.